the positional game, and we were successful in that time. And now the people are convinced in that, so it was difficult now change a little bit the mentality, and I don't know if the people from Barcelona accept another style, not coach, no players, another the way to play football. So it was, I think it's an aspect more inside of us. Is Johan Cruyff very important then for you, obviously as a coach, but also as the sort of the big father? No, of course, the mentor? Of course, a little bit, yes, because it was the first one, so it's difficult to arrive here and said, okay, you have to play in that way in this different aspects. No, from I arrive here as a coach, and all the people know that. For me, it's easier. But the difficulty is in the beginning, to a start, and it was the boss. Some coaches who told us, the team, how we had to do when we're defending. You go there, you blah, blah, blah. But when we had the ball, then you know what to do. But he gave us some things. Of course, you cannot teach a player, when you get the ball, you have to play it to him, or you have to do one against one against two. No, it was not that. But he gave some things that, when he said them and explained them, and he was very, not using 2 minutes to think, 10 seconds, 15 seconds, we're doing because of that. Then you said, yeah. Not the other one. So, and if somebody wants to run, okay, let him run. But we've got the ball. A very difficult one. It's simple because there are no rules. Yeah, the offside rule, you have to explain people what the offside is about, but the rest is, you cannot kick people and you have to score more goals than the other one. Oui, Amsterdam contre la Belgique avec l'équipe de Hollande, et ce week-end à Barcelone contre Las Palmas. N'y a-t-il pas de visage de Cruyff? Non, seule la couleur du maillot change. C'est la seule différence. Ils me demandent de jouer avec la Hollande et je joue avec l'équipe nationale, mais mon travail, je l'accomplis à Barcelone. Well, my way of thinking is that in this life, dans cette vie, si vous avez beaucoup d'amis, vous devez être heureux. Et je tente d'avoir beaucoup d'amis et de contacts avec autrui. Mais en tant que vedette, vous devez être antipathique par moment, sans quoi vous n'avez plus de vie privée. Et je dois à tout prix préserver ma vie privée. Un sujet sur Johan Cruyff n'est pas, c'est pas évident. Il y a sur la plateforme YouTube et les articles, il y a des articles qui sont beaucoup plus pertinents. Peut-être que cette vidéo que je vais faire, j'avais déjà essayé de faire un peu un sujet sur Johan Cruyff il y a de cela 3-4 mois, mais avec le recul maintenant et quand je l'ai écouté, il y a des dernièrement, je suis pas très satisfait du résultat, donc j'ai décidé de le refaire un peu en essayant de mieux condenser ce que j'ai à dire sur ce personnage qui est pour moi mon personnage préféré de l'histoire du foot. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont fans de Messi, il y a des gens qui sont fans de Cristiano Ronaldo, il y a des gens qui sont fans de Maradona, Pelé, tout ce que vous voulez. Moi, mon préféré, c'est Johan Cruyff. Johan Cruyff porte pour moi tous les fondements de ce que le football doit être.
dans sa vision, dans le joueur qu'il était, dans la vision qu'il a eu de ce sport et dans l'impact qu'il a encore jusqu'à aujourd'hui. C'est un personnage, je dirais, importantissime de l'histoire de ce sport et que je ne cesserai jamais assez d'en parler, parce que j'ai remarqué un peu que dans notre continent africain, Cruyff ne fait pas partie des joueurs qu'on parle beaucoup dans le continent africain. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que on ramène les même quand je parle même un peu des gens, même des anciennes générations, tu les vois beaucoup parler de, ils te parlent beaucoup de Pelé, de Maradona, mais ils te parlent très peu de Cruyff. Ils te parlent très peu de Cruyff. J'ai remarqué que nous les Africains, on a souvent un problème, on n'aime pas raisonner avec les cerveaux. On n'aime pas, je pense que c'est quelque chose que nous les Africains, on a un peu comme défaut, surtout les Africains francophones. Je pense qu'on a beaucoup ce défaut-là. On n'aime pas les intellectuels dans le sport. On n'aime pas du tout ça. On n'aime pas du tout ça. Alors que je pense que pour évoluer dans n'importe quel domaine, il faut des gens qui sont des penseurs comme ça. Et c'est ce que Cruyff a été. Cruyff d'abord, tout d'abord, c'est un génie du foot. C'est un génie du foot qui avait des capacités techniques incroyables. C'est-à-dire que il avait tout, hein, la technique, la vision de jeu et la capacité d'accélération folle qu'il avait. Il pouvait jouer attaquant gauche, attaquant droit, attaquant axial, deuxième attaquant, meneur de jeu. Il pouvait jouer tous les postes de l'attaque en étant un excellent. Et ce que j'adore aussi chez Cruyff, c'est que c'est un personnage qui avait une vraie... c'est un génie du foot qui avait une capacité d'expliquer vraiment ses gestes géniaux. Comment je peux un peu m'expliquer? C'est-à-dire que quand vous voyez souvent les grands joueurs de l'histoire de ce sport-là, quand vous voyez les Maradona, quand vous voyez les Pelé, quand vous voyez même Zidane et tous ces grands champions de l'histoire de ce sport, même Ronaldo, le Brésilien. C'est-à-dire que c'est des gars que même quand ils parlent ballon, c'est pas aussi spécifique que ça, parce que c'est des gars que oui, ils ont l'intelligence, mais ils ne savent pas l'expliquer aux gens. Cruyff avait la capacité d'expliquer pourquoi il a fait ce geste du génial. Against Sweden, Cruyff produced the move that defined his talents. It took a couple of seconds to lose the defender, but we've been talking about the Cruyff turn ever since. I never did on the training or in free times tricks. I never did tricks. I saw something and I did it, and it just came out. There was an opponent there, and you had to outplay him. So that was the easiest way. So you just do it. Les génies du foot ne vont pas souvent ça. Maradona ne pouvait pas t'expliquer pourquoi il a fait l'accélération contre l'Angleterre. Lui, il t'explique pourquoi. Et ça s'est retranscrit encore quand il fut un coach, parce que on va me dire oui, Zidane est devenu coach, il a gagné 3 Ligues des Champions. Oui, Zidane est un grand manager. C'est quelqu'un qui manage, sait manager ses équipes. Dans mon sujet que j'avais même fait sur lui, je parlais même de l'influence italienne qu'il a dans le management, qui est beaucoup influencé par Marcello Lippi et par Carlo Ancelotti. Mais Johan Cruyff, c'est différent. C'est voir un génie du foot qui devient un Guardiola. C'était pas seulement un manager, c'est quelqu'un qui était un technicien. Qui savait, il y a une différence entre un technicien et un manager. Ça, souvent, un peu dans le foot, on oublie souvent ça. Un technicien, c'est quelqu'un qui a une vision de jeu, de comment jouer ce sport-là d'une façon particulière. Les mecs comme Arrigo Sacchi, les mecs comme Lobanovski, les mecs comme, je dirais même un peu, je pense Boskov, hein. Même Boskov aussi, je le mettrais comme un technicien. Mais il y a les managers, les Mourinho, les Alex Ferguson, les... Comment ils s'appellent encore là? Plein, surtout les Anglais là, il y en a plein. Brian Robson, tous ces mecs là. Ce sont des managers parce qu'eux, ils sont beaucoup plus concentrés sur comment diriger un groupe de joueurs et comment tirer le maximum de ce groupe de joueurs là. Ils ne sont pas trop concentrés sur la tactique, sur le truc. Ils sont concentrés sur comment mettre son groupe de joueurs dans des conditions parfaites, psychologiques, pour qu'ils puissent m'apporter des bons résultats. La tactique, après, on verra après.
C'est à peu près un peu comment c'est, mec, là. Ancelotti n'est pas un fou tacticien. C'est quelqu'un qui sait gérer un groupe d'hommes. C'est ça un peu qui me fascine un peu avec l'histoire de Cruyff. C'est comme si tu voyais un Messi devenir un Guardiola. C'est quelqu'un qui a révolutionné carrément deux clubs. Non pas qu'il était seul, hein. On va parler quand même de l'influence de son coach de base, Rinus Michels, avec qui ils ont pu implémenter vraiment le football total. Le football total où on attaque à 11, on défend à 11, chaque joueur n'a pas un rôle spécifique. Et il faut dire aussi, le football total, c'est un football qui a inspiré, Rinus Michels s'était inspiré de justement l'équipe de Hongrie de 5-4 qui était, comment il s'appelle encore là, l'équipe de Hongrie de Gustav Sebes, qui avait déjà implémenté cette... Ce style-là, partant même jusqu'en finale de la Coupe du Monde avec ce style-là, ça fait pour moi, ils font partie des perdants magnifiques un peu de l'histoire du foot, un peu, dans le très beau jeu. Et aussi, on peut le pousser encore plus loin d'Autriche, parce que les premiers fondements aussi du football total sont autrichiens, avec la Wonder Team. La Wonder Team des années 30, avec ce fabuleux joueur-là qui s'appelait Mathieu Sindelar. D'ailleurs, même, je vais essayer de faire un sujet sur ces gars-là. Je vais faire un sujet, ça fait partie de mes plus belles équipes de tous les temps aussi, dans l'histoire qu'elle raconte, qui est un peu tragique aussi, surtout avec l'histoire de Mathieu Sindelar, qui était un très très grand joueur des années 30, un peu du foot, un peu. Le Messi des années 30, un peu, si vous voulez, un peu que je vous donne la dimension de ce personnage-là. Et le football total vient un peu aussi de là. Et Rinus Michels a réussi à mettre ça à l'Ajax et aussi au Barça et en équipe nationale de Hollande. Ça s'est vu et tout les années 70. Le début des années 70, c'est le football hollandais qui domine le monde. Parce que quand tu vois un peu, même un peu les victoires en Ligue des Champions, on peut dire que déjà en 69, ils sont en finale contre le Milan AC de Rivera. Ils perdent en finale contre le Milan AC de Rivera. Mais après, en 70, il y a le Feyenoord de William Van Aanegem, fabuleux joueur hein, d'ailleurs. Le Feyenoord de William Van Aanegem qui gagne la Ligue des Champions. Contre, si je ne me trompe même pas, le coach même, c'est un ancien joueur de la Wonder Team. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je ne veux pas m'égarer un peu là-dedans. Et le triplé de l'Ajax, 71, 72, 73, de cette fabuleuse équipe de l'Ajax qui a dominé l'Europe pendant 3 ans et dont le football était néerlandais pendant la première année, les premières années du football... les premières années des années 70, c'était le football néerlandais qui dominait le monde. Dominait le monde. Et quand tu regardes même les joueurs de l'Ajax, c'était tous des monstres. Johan Iskins, Pieter Kaiser, Rudi Krol. C'est des joueurs de malades. Des joueurs de malades. Malades mentales qu'il y avait dans cette équipe-là. Malades mentales. Malade mental. Quand je regarde tous les joueurs de l'Ajax de cette époque-là, je me dis, waouh, c'est des trucs, il n'y avait que les pionniers de tout là. Par exemple, Johan Iskin, j'avais fait un sujet sur lui, je crois que je vais refaire même encore un autre, mais un peu mieux que ça, qui est un peu le premier box-to-box et autres et tout, et qui a toujours accompagné un peu Johan Cruyff, que ce soit à l'Ajax, que ce soit en équipe nationale et que ce soit même après quelques années après au Barça avec lui. L'Ajax a une vision du foot qui m'a toujours parlé. Cette vision où on forme nos stars. Comme vous le voyez, depuis la nuit des temps, l'Ajax a toujours formé ses stars. C'est-à-dire, on forme nos stars. On achète, c'est toujours 80-20. C'est-à-dire, on forme nos stars dès le bas âge, dès le truc, dans la détection, sous un style de jeu particulier, où dès le bas âge, nos équipes vont jouer comme ça là, et que ça va se ressentir en équipe première. C'est même un peu dans cet impact, même dans les années 70, qu'on a vu une équipe française avoir un peu la même philosophie. Je veux parler de l'équipe de Nantes, un peu de José Arribas. L'équipe de Nantes de José Arribas avait aussi un peu ce truc là pendant Nantes, c'est un peu l'Ajax français un peu, hein. Même si non, ça ne s'est pas, comment on appelle ça, ça ne s'est pas ça traduit en
compétition européenne, mais sur le plan hexagonal, Nantes a été une grande équipe française pendant très longtemps, justement avec ce style-là, avec ce mode de formation-là, qui rappelait beaucoup l'Ajax, parce que Nantes était un club formateur à la base. Il y a eu beaucoup de jeunes joueurs français qui sont sortis là-bas, je ne vais pas faire la liste, vous devez connaître, et c'est un peu ça. Et moi, je suis fan un peu de l'Ajax par rapport à ça, et même quand tu vois après comment Johan Cruyff est parti à Barcelone, après quand il part à Barcelone et tout, où il part un peu, quand tu lis dans son bouquin un peu son autobiographie, son dernier bouquin autobiographique, un peu il est parti un peu parce qu'il y avait eu énormément de problèmes un peu avec le vestiaire de l'Ajax, parce qu'il se sentait trahi un peu par les joueurs de l'Ajax. Si je me souviens bien, un peu dans le bouquin, il racontait sa montée un peu en tant que capitaine, en tant que joueur, provoquait un peu des jalousies avec d'autres joueurs de l'Ajax, notamment un de ses meilleurs amis de l'époque, qui c'était Piet Keizer, qui était un très beau joueur hein, d'ailleurs, un très très grand joueur de l'histoire du football hollandais, ce mec-là. Piet Keizer qui il y avait beaucoup de joueurs, notamment Piet Keizer, et à un moment donné, Linus Michels n'était plus le coach, mais c'était Stefan Kovacs. Stefan Kovacs avait demandé maintenant, est-ce que au vestiaire, je paraphrase un peu, si vous voulez un changement de capitaine, et tout les joueurs du vestiaire avaient levé le doigt, et Johan Cruyff s'était senti blessé par rapport à ça, parce que lui, de son point de vue, c'est quelqu'un qui a toujours parlé pour les joueurs, c'est quelqu'un qui a mis en place même le syndicat des joueurs pour augmenter les salaires, donc il s'est senti trahi par rapport à ça. Donc dès qu'il a vu ça, il est parti à Barcelone. À Barcelone, il est devenu encore cette icône-là, parce que quand on regarde même encore ce qu'il a apporté à Barcelone, il a apporté bien plus que des titres. Il n'a pas beaucoup gagné avec Barcelone. Ils ont gagné, quand il était joueur, je veux dire, ils ont gagné quoi? Ils ont gagné un championnat et une coupe. Mais en termes d'impact, en termes de trucs, là, vous voyez même la photo que j'ai mis là. Je vais revenir même après à la photo que j'ai mis là, mais il a fait énormément, non pas seulement dans la mentalité de comment on doit même changer même le centre de formation. Parce que je aime souvent le dire, hein, le football espagnol n'est pas comme vous pensez là, à la base. Le football espagnol n'est pas un football champagne. C'est pas un football, un beau football à la base. Le football espagnol est un football rugueux, dur et tout. Et Johan Cruyff, sous l'appui encore de Rinus Michels, ils ont changer la façon de jouer à Barcelone avec la nouvelle politique de la Masia qui a été dont il avait déjà soufflé à certains des dirigeants du club sur comment on devait former les joueurs, et les premiers joueurs qui ont commencé à sortir de la truc, c'est des mecs comme Guardiola, et c'est déjà à cette époque là où il commençait à mettre en place ça sous ses idées, parce que c'est quelqu'un qui a des idées fabuleuses, qui a eu des idées fabuleuses sur le foot. Quand il a fait ça, non pas seulement ça, mais l'impact aussi politique. Quand on vit sous le régime franco, un régime très dur, un régime très dictatorial et tout, et dans ce régime-là, il y avait l'Espagne, tout ce qui était, l'Espagne c'est un pays qui peut être très régional, et tous ces habitants un peu régionaux là, comme les Catalans, les Basques et autres, tout étaient très emprisonnés par rapport à le gouvernement autoritaire franco. Et quand Johan Cruyff vient là-bas à Barcelone, il ramène un peu cette fierté catalane un peu à travers le foot, non seulement parce que ça faisait 15 ans que le Barcelone n'avait plus rien gagné en championnat dans ce club-là, n'avait plus rien gagné en championnat, n'avait plus rien gagné. Ils ramènent le titre. Le point d'orgue vient même encore avec ce match où ils arrivent à gagner 5-0 au Real Madrid. Un peu le Real Madrid dont je vous avais expliqué déjà sur mon sujet sur la Quinta del Butri, que le Real Madrid est un club du général Franco. Et il a apporté énormément de choses. Énormément de choses, la fierté catalane, le fait de donner son nom, de donner le nom,
Yor, le prénom Jordi, à son fils, qui est un prénom catalan qui était interdit en Espagne quand Franco et autres de donner des prénoms catalans, de donner des prénoms de ta région un peu. Et il a fait ça. C'est ça qui a amené énormément de fierté un peu chez les Catalans un peu par rapport à ce personnage-là. Il était devenu un personnage un peu romantique un peu de ce club-là. Et aussi, comme vous le voyez sur la photo, ce match avait cet incident, je ne sais plus c'était quelle année, autre tout, c'était contre Malaga, où l'équipe de Malaga se faisait aider par l'arbitre et tout. Il y avait, c'était un match complètement corrompu et tout, parce qu'il y avait des fautes d'arbitrage, des pénalties, des trucs et tout. Johan Cruyff commence à contester un peu le truc avec l'arbitre. Dès qu'il commence à contester un peu à l'arbitre, des militaires entrent. L'arbitre lui donne un carton jaune, après lui donne un carton rouge, il continue à contester. Les militaires du régime franco viennent entrer pour justement le faire comprendre qu'il doit sortir ou quelque chose comme ça. Ça donne ces photos-là que vous voyez là, cette photo légendaire-là. Et on le voit à un moment donné, lui qui était le capitaine de l'équipe, faire un baiser sur l'écusson de son capitaine devant le public catalan. Et le public catalan est devenu encore plus amoureux de lui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a apporté même encore cette fierté catalane et haute et tout là-bas. Dans ce club, je pense que c'est le seul étranger qui a su être... dont son impact est très grand, très très grand par rapport à cette histoire. Que dire aussi du coach? Le coach qui fut comme son mentor, Rinus Michel, qui a juste continué un peu ses idées. Coach, tu le voyais déjà à l'Ajax, même l'Ajax, ça j'ai découvert ça même un peu sur le tard, je ne savais pas qu'il avait été coach de l'Ajax avant de devenir coach de Barcelone. Je crois que c'est dans les années 2010 que j'ai su qu'il était coach de l'Ajax. Moi je croyais qu'il avait juste été coach de Barcelone, mais il avait été aussi le coach de l'Ajax, où il a ramené aussi l'Ajax au premier plan, avec l'émergence des joueurs comme Wouter, ceux des Rijkaard, de Van Basten, avec qui il a gagné. Je pense qu'ils ont gagné une coupe des coupes, je pense. Deux, trois championnats consécutifs et une coupe des coupes, cette génération-là. Cette génération dorée qui va créer la génération dorée qu'on va voir gagner l'Euro 88. Puis, comme d'habitude, il a eu un problème encore avec l'Ajax par rapport à certaines choses. Il est parti devenir entraîneur du Barça. Et entraîneur du Barça, je pense qu'il avait gagné encore une Coupe des Coupes. Ou deux Coupes des Coupes avant de gagner la Ligue des Champions. Toujours en implémentant ses idées de jeu excessivement géniaux là. Le parcours de coach, le parcours de joueur du personnage est absolument brillant, absolument brillant. Et c'est pour ça que je vous conseille de lire son bouquin Johan Cruyff, ma autobiographie, qui vraiment détaille vraiment toutes les parties de sa vie. Notamment même aussi encore un truc aussi qui est intéressant de voir un peu d'où vient, parce qu'il a une très forte inimitié avec le personnage de Louis van Gaal, que je considère aussi comme un des grands personnages de l'histoire du football néerlandais. Louis van Gaal et Johan Cruyff, qui étaient d'abord des amis à la base, ont eu énormément de problèmes tous les deux parce que tout partait d'une histoire un peu personnelle par rapport à, si je me souviens bien encore, si j'avais bien lu, une histoire de sœur qui était morte. Et il dormait. Donc, si vous, c'est pas d'une histoire personnelle, après c'est rentré dans le football. Je veux pas raconter trop pour ceux qui vont le truc. Ça part d'une histoire personnelle qui part dans le foot d'après par rapport à certaines situations où Cruyff était un peu jaloux que Louis van Gaal est devenu le coach principal de l'Ajax et qu'il a gagné la Ligue des Champions avec l'Ajax, parce que ça a été aussi le rêve, gagner la Ligue des Champions avec l'Ajax en tant qu'entraîneur. Bon, il y a tous ces parties-là. Bref, tout un personnage vraiment fascinant du foot, comme il y en a peu aujourd'hui. Et ça me permet aussi de réfléchir un peu sur la décadence un peu du football néerlandais depuis quelques années. Parce que c'est ça qui est un peu triste depuis, on va dire, un peu
la dernière grande génération qui a été la génération Robben, Van Persie, Snyder et tous ces mecs-là. Le football néerlandais est vraiment un football qui en lambe. Et moi, j'ai envie de dire, c'est parce que justement, on ne essaye plus de reprendre, même dans les clubs, que ce soit l'Ajax. L'Ajax, en ce moment, c'est terrible. Ce qui se passe à l'Ajax, ils sont presque relégables. Toutes les idées de jeu que prenaient les gars comme Cruyff, parce que ça aussi, il ne faut pas que je l'oublie de le rappeler. La deuxième, la génération Justin Kluivert, Matthijs de Ligt, tous ces gars-là qui sont venus dans les années 2010 avec justement la très grande épopée de 2019 en Ligue des Champions et la finale de la Coupe de l'UEFA en 2017, c'est les idées implémentées par Cruyff quand il est revenu un peu dans le club, mais de manière un peu beaucoup plus, discrète, sans forcément avoir un lieu, où il est revenu vraiment remettre en place vraiment les idées de jeu du centre de formation, en amenant les anciens joueurs, même de les grandes gloires placées un peu du club, que ce soit Bergkamp, que ce soit Frank de Boer, que ce soit même Marc Overmars, hein, dans le board un peu communicatif, et pour qu'ils puissent remettre ça. Et de sa politique-là, il a réussi à mettre en place vraiment tout ce qui a constitué la révolution de l'Ajax encore dans les années 2010. C'était encore lui. Ça, c'est encore ce que le bouquin révèle. Et après, maintenant, depuis qu'il est reparti, depuis qu'il est mort, on a pu continuer ses idées, on a pu continuer ses trucs. Et là, l'Ajax revient encore à une situation un peu très, 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 très meilleure, parce qu'ils ont continué à... Ils ont complètement abandonné le centre de formation, ils ont complètement abandonné plein de choses. Là maintenant, l'Ajax, franchement, est mal en pied. Et ça se ressent même à l'équipe nationale. Moi, je dis toujours, l'équipe nationale en ce moment, néerlandaise, elle est très... C'est très bas, c'est très faible. C'est très très faible. Mais on va me dire, oui, ils ont fait un peu quart de finale de la Coupe du Monde. Mais quand tu regardes même les individualités néerlandaises, les trucs et autres, tout. Moi, j'ai souvent envie de dire, le fait que Memphis Depay est... Bordel, je sais qu'il y a des gens qui le connaissent personnellement, que je connais, qui connaissent personnellement cet individu-là. Memphis, le fait qu'un gars comme Memphis Depay soit le meilleur joueur néerlandais depuis, on va dire, 7 ans, 8 ans, pour moi, c'est un problème. Parce que ce personnage-là, non pas que j'ai un problème avec l'être humain qu'il est, mais il représente pour moi quelque chose qui est l'antithèse même du football néerlandais. C'est-à-dire, le football néerlandais, c'est censé être des grosses individualités dans le collectif. Mais Memphis Depay dégage pour moi un individualisme et un truc qui est tellement anti... qui représente même pas le football de ce pays-là. Je pense que il est la pire star de l'histoire du football néerlandais, le mec-là. Pire star dans tout ce qu'il représente. Dans tout ce qu'il représente. Il y a quelques années, ce type de joueur-là. Et j'ai même envie de dire, en équipe de Pays-Bas, dans le football néerlandais, il y a un peu en ce moment, un peu ce que il y a eu en France, un peu avec la mentalité un peu, excusez-moi le mot, mais la mentalité un peu racaille, qu'il y a eu en France un peu après les années, la fin des années 2010 qu'il y a eu en France un peu. Et c'est la même mentalité que tu retrouves un peu aux Pays-Bas. Regardez les joueurs qu'on a, les Memphis Depay. Il y a eu ce mec-là qui était un ancien international là, qui a été accusé de trafic de drogue, là, Quincy Promes, qui a été défendu par son pote Memphis Depay. Là, j'ai vu comment ça fait un tollé là-bas aux Pays-Bas. Stéphane Bergwijn, tu vois un peu les profils d'un peu de gars. Tu regardes un peu, tu dis, mais c'est maintenant ça les joueurs néerlandais? Et ça se ressent. C'est pour ça que la perte de Cruyff et d'un personnage comme ça, aussi central que Cruyff, dans sa vision, dans son truc, ça réagit même un peu, même sur l'équipe des Pays-Bas, même anciennement. L'équipe des Pays-Bas, elle est horrible. Elle est horrible. Quand elle se fait fesser comme la France, aller-retour, même quand la France rencontre les Pays-Bas, c'est comme une formalité. Même quand on a vu un éliminatoire, là, ils n'ont même pas le niveau. Il y a un vrai problème dans le foot de ce pays-là. Et quand je dis Memphis Depay est la star de l'équipe,
Moi, je trouve que c'est problématique que ça soit la star de votre équipe. Non, pas que j'ai un problème avec cet individu-là. Son histoire, qu'il a, bon, il y a son livre là qui est un peu intéressant là, qui s'appelle Art of Lion, qui raconte un peu son histoire. Mais le personnage, j'ai jamais vu un personnage. J'ai l'impression que le foot est très obsolète pour lui. J'ai l'impression que le foot est un moyen d'avoir, d'accéder un peu à un monde de bling bling américain, bullshit un peu qui lui plaît. C'est ce que le personnage m'a souvent envoyé. Et le fait que ça soit le meilleur joueur néerlandais, je crois qu'il est même le deuxième meilleur buteur de la sélection nationale actuelle. Oui, il est le deuxième. Et c'est problématique. C'est problématique un peu de tout ce que ce football a produit comme grand joueur. Et moi, j'ai souvent envie de dire, quand Johan Cruyff voit les Pays-Bas en ce moment, normalement, il doit se retourner dans sa tombe et tout. Bref, c'était un peu mon sujet, un peu sur ce personnage-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.